Je suis le professeur Jean-Charles Corvi-Gomez. Je suis originaire du Bénin. Je suis historien, philosophe et égyptologue. Et pour moi, le 29 août 1985, il y a eu, si vous, on peut le dire ainsi, un véritable tournant dans ma formation intellectuelle et dans mon orientation. Ce fut pour moi l'occasion de faire connaissance avec un des plus grands savants de notre temps, le professeur Cheikh Anta Diop. Le professeur Cheikh Anta Diop, qui est né en 1923 à Tietou, au Sénégal, et qui est décédé le 7 février 1986, est un savant pluridisciplinaire qui a contribué à renouveler les thématiques historiographiques du monde noir. On se souvient notamment du célèbre colloque international d'égyptologie du Caire en 1974. Et à l'issue d'un véritable tour de force avec un aréopage de savants parmi les plus qualifiés du monde occidental, Cheikh Anta Diop et son disciple Théophile Obenga ont fait pencher la balance, si je puis m'exprimer ainsi, en faveur des thèses africaines. Qu'il me soit permis de rappeler brièvement les conclusions de cet important événement. Le rapport final disait ceci, la très minutieuse préparation des interventions des professeurs Cheikh Anta Diop et Obenga n'a pas eu, malgré les précisions contenues dans le document de travail préparatoire envoyé par l'UNESCO, une contrepartie toujours égale. Il s'en est suivi un réel déséquilibre dans les discussions. Mais en dépit de cet événement scientifique de portée universelle, force est de constater qu'aujourd'hui, dans la plupart des universités occidentales, notamment américaines et françaises, européennes notamment, l'œuvre de Cheikh Anta Diop est toujours occultée. Et dans les départements d'histoire et d'archéologie, on ne mentionne pas les travaux des historiens africains et des spécialistes de l'archéologie africaine. C'est ainsi que, très récemment encore, nous nous sommes rendus compte qu'à l'université de la Sorbonne, où Cheikh Anta Diop a soutenu sa thèse d'État, de doctorat d'État à l'amphithéâtre Liard, devant des centaines de personnes, et je rappelle que la thèse a duré 7 heures, hein, donc il y a eu une soutenante de 7 heures, on s'est rendu compte que même la France, parce que Cheikh Anta Diop est un produit malgré tout de l'université française, même la France oublie d'honorer ce génie. Il est évident que ces acquis scientifiques de l'école africaine d'égyptologie doivent être intégrés dans le système éducatif, non seulement en Afrique, mais dans l'ensemble du monde noir. Et ce qu'il y a lieu de noter également, c'est que en occultant ainsi l'information scientifique et en évitant de vulgariser correctement les acquis et les résultats de la science historique, il y a une sorte d'effet boomerang qui touche également l'intelligence et la compréhension des faits historiques et culturels de l'Europe. Il faut noter que l'Afrique est le continent qui a vu naître l'homme anatomiquement moderne. L'homme anatomiquement moderne, dont le spécimen est l'Homo 1, qui est né donc il y a 200 000 ans, l'homme anatomiquement moderne a véritablement accumulé dans un processus cumulatif du savoir un certain nombre de connaissances depuis le paléolithique supérieur jusqu'à la fin de l'Antiquité classique. Deux axes ont permis à l'Afrique d'irradier littéralement les autres continents et d'apporter ce génie humain. N'est-ce pas? Parce que l'Afrique, c'est le continent de la sédimentation du génie humain. Nous utilisons à dessein cette métaphore géologique pour montrer qu'en fait, il y a une strate, une couche, un substrat africain du savoir et que ce substrat, par la diffusion et les migrations vers les autres continents, ont permis justement l'éclosion de la civilisation, non seulement dans les civilisations de la Méditerranée septentrionale, notamment la Grèce pré-hellénique, Rome, et toutes les autres civilisations qui ont suivi, mais également dans la Méditerranée orientale, n'est-ce pas? Donc l'Asie
et toutes les autres civilisations qui ont essaimé à partir de la Mésopotamie. Donc, si cela est vrai, si ce processus cumulatif du savoir a permis à l'Africain de diffuser les connaissances les plus précoces qui soient, je ne mentionnerai que trois faits qui sont en général occultés aux profanes. D'abord, la découverte des mathématiques. La découverte des mathématiques, Ishango, etc., l'os d'Ishango, montre qu'il y a 38 000 ans déjà, les Africains avaient maîtrisé le système de numération et un certain nombre de systèmes mathématiques extrêmement poussés. C'est un phénomène neuronal que tous les scientifiques reconnaissent comme étant d'une extrême précocité. Il en est de même de la maîtrise, si vous voulez, de l'agriculture et de la domestication de tous les animaux sauvages à l'époque. Ça veut dire que le processus de sédentarisation, n'est-ce pas, va préparer le terrain au néolithique, au mésolithique et à ce que j'appellerais les balbutiements pré-dynastiques des civilisations de la vallée du Nil, notamment la Nubie et l'Égypte ancienne. Si nous focalisons notre investigation autour de ces deux civilisations, la civilisation de la Nubie et celle de l'Égypte ancienne, c'est parce que ces deux civilisations sont, pour ainsi dire, les matrices de nos humanités classiques. C'est d'abord en Nubie qu'on trouve, et cela n'est jamais enseigné, en tout cas, les faits sont occultés, à partir de la culture pré-dynastique dite de Nagada, notamment Nagada II, l'émergence de la première royauté et des premiers souverains. Tout le monde parle du roi Narmer-Ménès comme étant le premier pharaon de l'Égypte ancienne, mais en fait, il a été précédé par des pharaons qu'on appelle, dans la terminologie des égyptologues, les Shemshuhor, c'est-à-dire les suivants d'Horus. Ces pharaons, ils étaient au nombre de sept, donc formaient une véritable dynastie. Et cette dynastie est bien la première, et cela nous fait reculer donc dans le temps de plusieurs millénaires. Nous sommes en 3750 avant notre ère, et cette dynastie s'est achevée en 3500 avant notre ère. Tout cela n'est pas enseigné parce qu'on veut absolument privilégier, par une sorte de synchronisation entre la Mésopotamie et l'Égypte ancienne, une antériorité supposée de la Mésopotamie sur l'Égypte ancienne. Les mêmes faits doivent être signalés s'agissant de l'acquisition de l'écriture. On admet généralement aujourd'hui, à la suite des travaux du spécialiste allemand Gunther Dreyer, on admet que l'Égypte a connu l'écriture bien avant l'émergence de la royauté et de l'État. Ça veut dire que nous avons des traces, des documents, des artefacts qui montrent qu'il y avait une écriture hiéroglyphique bien lisible, n'est-ce pas? Et cette écriture a précédé de plusieurs siècles, si je puis m'exprimer ainsi, l'unification de la Haute et de la Basse Égypte, dont le processus a été initié par les Shemshuhor et achevé par le pharaon Narmer. Il est évident que pendant tout ce laps de temps, l'Égypte ancienne a eu également des historiens, des chercheurs dont on ne parle plus beaucoup. C'est le cas notamment de Manéthon. Manéthon, c'est le plus grand historien de la vallée du Nil, n'est-ce pas? Il était beaucoup plus fiable qu'Hérodote. Et Manéthon de Sébénitos a donné la liste de toutes les dynasties indigènes autochtones de l'Égypte, n'est-ce pas? Du pharaon Narmer jusqu'au pharaon Nectanébo Ier, qui est donc le dernier pharaon de l'Égypte ancienne. Qu'est-ce que les civilisations de la vallée du Nil ont apporté président? Je dis les civilisations parce qu'il faut savoir que la Nubie a précédé l'Égypte ancienne. Il y a beaucoup de pyramides dans le désert nubien. Il y a beaucoup de documents qui prouvent que les civilisations du groupe C et du groupe A en Nubie ont été à la base de l'éclosion de la civilisation pharaonique elle-même. Il n'est donc pas, si vous voulez, il n'est pas interdit de parler aujourd'hui d'une origine nubienne et soudanaise de la civilisation pharaonique elle-même. C'est ce que disent les anciens, notamment des auteurs comme Diodore de Sicile ou d'autres, qui disent que d'après les traditions les plus anciennes de l'Égypte, les Égyptiens eux-mêmes étaient une colonie, c'est-à-dire une fraction du peuple nubien qui a essaimé un peu plus haut vers la basse vallée du Nil. Donc, le processus par lequel l'Afrique intérieure va... Donc, il ressort de ce qui précède que l'Égypte ancienne n'est pas à l'origine des civilisations de l'Afrique intérieure, mais c'est l'inverse.
L'Égypte ancienne est, pour ainsi dire, l'épanouissement d'une civilisation qui a remonté le cours du fleuve depuis les sources du Nil, donc la région où l'homme est né, jusqu'aux confins de la Méditerranée. Cela veut dire que cette perspective-là doit être enseignée clairement. Parce que si on l'enseigne, on peut comprendre certains faits d'histoire qui ne sont pas, si vous voulez, aujourd'hui encore, expliqués. Je donne trois exemples. On peut expliquer aisément les conditions dans lesquelles la civilisation mycénienne, qui doit beaucoup aux civilisations sédentaires de l'Égypte ancienne et du Soudan, n'est-ce pas, a été détruite par les Doriens. Et c'est l'effondrement de la civilisation mycénienne qui a marqué l'apogée de la civilisation indo-européenne dans la région qu'on appelle la Grèce, donc la Grèce hellénique. Mais il faut savoir que la civilisation n'est pas née à Athènes. La civilisation est née en Asie mineure, donc aux confins de l'Égypte. Et Thalès de Milet, qui était lui-même un phénicien de souche, a bien dit que la civilisation est venue de l'Égypte. Les témoignages de Thalès de Milet sont corroborés par ceux et des autres auteurs et philosophes de l'Antiquité, disons de la période pré-socratique. Et ce fut le cas de Pythagore de Samos, qui a séjourné pendant presque plusieurs décennies en Égypte, où il a étudié à Memphis. Et ses thèses sur la métapsychose, etc., sont beaucoup redevables aux Égyptiens. Ce fut le cas également de Platon d'Athènes. Platon d'Athènes qui a étudié avec un prêtre dont on ne parle jamais, qui fut son maître bien avant Socrate. On parle tout le temps de Socrate, mais on ne parle jamais de Sacnum Nefer, c'est-à-dire Sèche-nous fils, d'après les déformations grecques. On ne parle jamais de tous ces prêtres-là qui ont formé Platon. Et il en est de même de Dox, qui a étudié en Égypte. Et on peut dire la même chose pour le fondateur même de la législation en Grèce, c'est-à-dire Solon, etc. Donc Aristote a été en Égypte, il a observé le ciel de l'Égypte, il en a parlé dans Météorologique. Et donc aujourd'hui, on a imposé une thèse qui paraît irrationnelle, c'est celle de la génération spontanée des sciences, des arts, des lettres et de la philosophie en Grèce. Donc on dit que tout est né en Grèce, la démocratie, etc. Et on a donc institutionnalisé, validé la thèse du miracle grec qui, en fait, ne peut pas résister à un examen sérieux. Il suffit de faire une étude comparative entre la civilisation de la vallée du Nil et celle de la Grèce. Je parle de la période où les Hellènes ont conquis la civilisation en Grèce. Et à ce moment-là, on verra dans quel sens l'histoire va. Et il en est de même de Rome. Vous savez qu'on a toujours enseigné que l'Empire romain n'a jamais connu de défaite. Et que l'Empire romain, ce qui a eu raison des Romains, c'est une invasion. Donc on parle souvent de l'invasion d'un peuple qui est venu de l'Est de l'Europe, etc. Donc, mais ce qu'il faut dire également, c'est que les Romains ont connu une défaite, mais dont on ne parle pas justement. Et cette défaite leur a été infligée par une femme, qui était donc une Candace, c'est-à-dire une de ces fameuses reines qui ont régné en Nubie. N'est-ce pas? Il y avait toute une dynastie de femmes qui ont régné en Nubie. On connaît notamment Amenésarté, mais celle qui a vaincu Caius Petronius s'appelait donc Amenirenas. Amenirenas, en égyptien ancien, ça veut dire Amon est son nom. Amon est son nom. Donc c'est une femme qui était borgne. Et Strabon en a fait même un proverbe, il a dit que c'est une femme qui a eu un courage au-dessus de son sexe. Mais ce qui est certain, c'est que l'Afrique était littéralement le point, si vous voulez, de diffusion, le lieu de focalisation de toutes les connaissances dans le domaine des sciences, des arts, de la littérature, de l'architecture, etc., etc. Et ceci, tous les auteurs grecs de l'Antiquité sont unanimes pour le dire, on ne nous citera pas un démenti tiré des textes d'Homère jusqu'à Amiens Marcellin. Donc la civilisation du Ghana, par exemple, son apogée coïncide avec le déclin de l'Égypte. Vous savez qu'à partir de 663 avant notre ère, les Assyriens avaient détruit la ville de Thèbes et à partir de -525, les Perses avec Cambyse avaient porté un coup fatal à l'Égypte ancienne. Mais l'Afrique intérieure a immédiatement
poursuivi ce processus civilisationnel, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ainsi que l'empire de Ouagadougou, parce que c'est son vrai nom, le terme Ghana semble avoir été imposé par les Berbères. L'empire de Ouagadougou, ça veut dire le pays des nobles, Ouago, noble, hein, en saracolé. L'empire Ouagadougou a permis à la dynastie des Cissé et à toutes les autres dynasties de préparer le terrain à l'émergence d'un des plus grands empires, n'est-ce pas, de tous les temps, n'est-ce pas? Et ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans Pantagruel où Rabelais parle du roi du Mali comme un des plus grands rois du monde. Hein. Et donc l'empire du Mali a suivi, hein, le Tekrour qui se trouve entre la Mauritanie actuelle et le Sénégal, donc à l'embouchure du fleuve même Sénégal, ce fut un très grand empire également. Et ne parlons même pas du Kanem-Bornou, nous sommes donc aux confins du Tchad. Et quand on descend un peu plus vers l'Afrique occidentale, c'est la civilisation de Nok qui existait déjà du temps des pharaons. Nous avons des documents archéologiques extrêmement probants à cet égard. Et puis, maintenant, la civilisation de Ileifé, hein, Ileifé, c'est-à-dire le pays même originel du peuple Yoruba, et tout ce que nous appelons après les civilisations du golfe du Bénin, notamment le Dahomey, etc., proviennent quant au fond, hein, de vagues de population venues de cette région-là, d'Ileifé, et ensuite il y a eu des mélanges, des migrations. Donc nous connaissons aussi la civilisation Ashanti, qui a été fondée par l'Assanté René au Seitoutou, dont nous connaissons la puissance, c'est une des civilisations les plus magnifiques. Et puis en arrivant vers l'Afrique centrale, alors ne parlons même pas du royaume du Congo, ce qu'on ne sait pas, c'est que souvent, ces populations ont littéralement permis aux afro-descendants, par suite du processus de la traite négrière, de résister également dans le Nouveau Monde. C'est ainsi que ce sont des Congolais qui ont fait la fameuse révolution, hein, au Brésil, hein, qu'on appelle la République de Palmarès. C'est un Congolais qui était à la tête de cette résistance-là. Nous sommes au XVIIe siècle, donc c'est bien avant Haïti. Hein. Donc on ne peut pas non plus comprendre l'histoire de la diaspora si on ne saisit pas cette continuité historique de l'Afrique avec ses descendants partout dans le monde. Donc, en allant vers l'Afrique australe, on a la fameuse civilisation de Zimbabwe, c'est-à-dire la maison des pierres en langue Shona. Hein. Donc, c'est le peuple Shona qui a créé cette civilisation. Et ne parlons pas des civilisations Zulu, de toutes les autres civilisations magnifiques. Et donc, pour nous, il est impossible d'étudier dans le cadre d'un dialogue des civilisations qui s'oppose à la notion de choc des civilisations que une certaine littérature européocentriste voudrait imposer, n'est-ce pas? On ne peut pas dialoguer en faisant abstraction de plusieurs millénaires de processus civilisationnels sur le sol africain qui est, dans l'état actuel de nos connaissances, le berceau de l'humanité. C'est donc pour cela que l'Afrique doit être au cœur de ce dialogue des civilisations. Le but de ce dialogue, c'est de créer un monde qui sera un monde de paix, d'harmonie, d'équilibre, hein, qui permettra aux hommes d'aller à la découverte du génie humain et de faire en sorte que les aspects les moins belliqueux, c'est-à-dire ceux qui poussent au génocide que nous constatons depuis le XXe siècle et qui se poursuivent sous nos yeux, ces aspects soient définitivement éradiqués de la conscience universelle. Et c'est en cela que l'Afrique va jouer son rôle de berceau de l'humanisme. L'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité. Aucun humanisme ne peut advenir si l'Afrique est suppliciée, si l'Afrique est martyrisée, si l'Afrique est occupée. C'est pour cela que nous pensons que le concept le plus important aujourd'hui, c'est le concept de l'université virtuelle des savoirs. L'université virtuelle des savoirs est un lieu d'échange des savoirs, mais les savoirs ne sont pas seulement livresques. Les savoirs ne relèvent pas seulement de l'érudition, les savoirs n'appartiennent pas seulement à une caste de spécialistes. Ce dont nous parlons, c'est la diffusion planétaire des savoirs. Et ce, en rupture avec la pensée unique, en rupture avec l'idée qu'il n'y a que des peuples civilisés en Europe et que le reste du monde, c'est un océan humain de barbarie. Cette idée-là
elle ne résiste pas à la moindre critique objective des faits aujourd'hui. Donc l'université virtuelle des savoirs est également ouverte, pour les raisons que j'ai indiquées précédemment, à l'Europe, bien sûr, puisque l'Europe, c'est une partie aussi de notre héritage. Il y a notre héritage européen, hein, parce que c'est le génie humain qui, après avoir achevé sa sédimentation en Afrique, a eu son expression également technologique et autres en Europe. Et il en est de même de l'Asie, qui est un des continents d'avenir, de l'avenir. Hein? Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire de projection géostratégique sans tenir compte du rôle de la Chine. La Chine n'est plus aujourd'hui une puissance émergente. La Chine est vraisemblablement aujourd'hui la première puissance du monde, même si on n'ose pas le dire avec la même rigueur. Et puis, il faut penser à l'Amérique. L'Amérique qui est un continent où l'homme noir a payé un tribut très lourd au développement des États-Unis, par exemple, pour aller très vite. Depuis que les premiers noirs ont quitté la côte Ashanti dans un bateau pour aller à Jamestown, aux États-Unis, nous sommes au XVIIIe siècle, hein, l'Amérique n'a jamais cessé d'être confrontée à la question raciale. Hein. Et ce sont des noirs comme Christoph Attucks, ce sont des noirs comme Marcus Garvey, le Jamaïcain, et d'autres qui ont éveillé la conscience du peuple américain. Et aujourd'hui, l'Amérique est aux avant-postes, à l'avant-garde de la lutte pour la dignité de l'homme africain et de l'homme tout court. Donc je crois que tous ces facteurs vont nous amener à découvrir l'importance de la présence africaine en Asie. Et le professeur Runoko Rashidi, qui est un des plus éminents spécialistes, sera associé à ce projet de l'Université virtuelle des savoirs. Hein? Mais il faut savoir que d'autres auteurs des États-Unis, comme le professeur Molefi, qui était à Santé, qui est donc le promoteur et le théoricien de la notion de afrocentricity, et non pas d'afrocentrisme, qui est un contresens. Nous assistons donc à la montée en puissance de la conscience africaine partout dans le monde, notamment chez les afrodescendants. Et ils se sont réunis à Carthagène. Il y a des afrodescendants de Colombie, il y a des afrodescendants de Bolivie, qui ont d'ailleurs rendu hommage aux Africains à travers le rôle qu'Haïti a joué. Si je parle d'Haïti maintenant, c'est parce que Haïti a été à l'origine de tout le processus de décolonisation qu'il y a eu. Après que la Révolution française ait marqué ses limites, se soit épuisée dans la terreur. Des trois révolutions fondatrices de la modernité, à savoir la Révolution américaine, la Révolution française, la Révolution haïtienne fut la seule à être une véritable révolution universelle. Hein? Ce point n'est pas expliqué clairement. Hein? Et souvent, il y a beaucoup de confusion dans les esprits. C'est la révolution haïtienne qui, la première, a émancipé la femme. La révolution française considérait que l'homme dont on parle dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la femme en était exclue. Il faut le savoir. C'est ce qui a poussé d'ailleurs une Française éminente, à savoir Olympe de Gouges, à défendre dans sa fameuse Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne l'héritage des Africains. Elle l'a dit explicitement et elle a rendu hommage aux femmes noires qui ont lutté pendant l'esclavage. Et cette femme a disparu et même les traces de son combat ont disparu ici en Europe. Donc le rôle de l'université virtuelle des savoirs, c'est de réhabiliter également tous ces gens qui ont combattu pour l'idéal humain et qui ont été occultés hein, dans leur propre pays. Hein. Il faut savoir que la révolution haïtienne est une des seules révolutions qui admettait l'accession à la citoyenneté, quelle que soit la confession qu'on avait. Vous voyez, c'est pour cela qu'il y a eu des Juifs qui se sont réfugiés en Haïti. C'était une terre de refuge, parce qu'ils étaient opprimés. Des Polonais se sont réfugiés en Haïti. La révolution haïtienne est la seule qui est donnée à des gens qui n'étaient pas de conditions sociales très nobles, hein, le droit d'être citoyen également, ce n'était pas difficile parce qu'ils sortaient d'une société esclavagiste. Mais il n'y avait pas de discrimination sociale en Haïti. Et la révolution haïtienne, enfin, c'est la révolution qui a permis à toute personne, quelle que soit sa couleur de peau, hein, parce que la Déclaration des droits de l'homme disait que tout homme est né libre
égal à l'autre homme. Mais il ne s'agissait pas de l'homme noir, cela va sans dire, vous le savez bien. Donc, ce que je veux dire, c'est que cette révolution a permis à l'homme moderne de conquérir une notion fondamentale. Cette notion, c'est la décolonisation des consciences. C'est la révolution haïtienne qui a posé le problème colonial, qui n'a pas pu le résoudre parce qu'il y avait des contradictions issues du système esclavagiste. Il y avait la pression aussi de la France et des États-Unis contre ce pays qui était véritablement la citadelle du monde noir. Mais la révolution haïtienne a influencé les Brésiliens, a influencé la Guadeloupe. Hein, tout ce qui s'est passé avec Ignace Delgrès et tout ça, cela n'eût pas été possible sans la révolution haïtienne. La révolution haïtienne a influencé les États-Unis d'Amérique. Le roi Christophe était aux États-Unis, oui, combattait, c'était un Jamaïcain, etc. Donc je crois que tout cela doit être redécouvert. Hein. Nous devons remettre tout cela au cœur du débat contemporain contre les discriminations. Parce que le problème, ce n'est pas l'accession formelle et juridique à l'égalité. Ça, c'est très facile. Hein? L'égalité dans les textes, non. Le problème, c'est la déconstruction de la notion même d'inégalité des races et la déconstruction de toute la hiérarchisation des races sur lesquelles sont fondées les civilisations modernes. Je crois que c'est ça qui est important. Et en cela, nous allons véritablement innover. Et c'est la mission essentielle dévolue à l'université virtuelle des savoirs, qui est ouverte donc aux Asiatiques, qui est ouverte aux Européens, qui est ouverte aux Américains, qui est ouverte à tous les hommes épris de progrès et qui aspirent à la connaissance, hein, de manière à bâtir une nouvelle humanité, construire une humanité qui va vivre dans l'harmonie et dans la paix. Je dis que ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que l'université virtuelle du savoir a une devise. Cette devise, c'est la science et la conscience au service de la Renaissance. Quand nous parlons de Renaissance, c'est la Renaissance de l'humanité. Nous ne parlons pas d'une Renaissance de telle race qui serait contre telle autre race. Non, c'est l'espèce humaine. Hein, c'est de ça que nous parlons, la Renaissance de toute l'espèce humaine. Et cela ne peut se faire que par l'éducation. On peut mettre des milliards, hein, si vous voulez, à spéculer dans les banques. Cela ne donnera jamais une humanité meilleure. Par contre, si on mise sur l'éducation, la véritable éducation, celle qui s'affranchit des discriminations, on peut alors aboutir à quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais, en conclusion, rappeler une phrase de notre maître à tous, le distingué savant Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop écrivait dans « Antériorité des civilisations nègres, mythe ou vérité historique » cette phrase. « Aujourd'hui encore, de tous les peuples de la terre, le nègre d'Afrique noire seul peut démontrer de façon exhaustive l'identité d'essence de sa culture avec celle de l'Égypte pharaonique à telle enseigne que les deux cultures peuvent servir de système de référence réciproque. Il est le seul à pouvoir se reconnaître encore de façon indubitable dans l'univers culturel égyptien. Il s'y sent chez lui, il n'y est point dépaysé, comme le serait tout autre homme, qu'il soit indo-européen ou sémite. Autant un occidental aujourd'hui encore, en lisant un texte de Caton, ressent l'écho de l'âme de ses ancêtres, autant la psychologie et la culture révélées par les textes égyptiens s'identifient à la personnalité nègre. Et les études africaines ne sortiront du cercle vicieux où elles se meuvent pour retrouver tout leur sens et toute leur